Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour le final de Reventu. Bon, je regardais tranquillement les. Tim Lebray finit par se remettre des blessures laissées par la tentative d'assassination. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais fini par tuer le roi juste pour finir. Alors, le problème, c'est enterré dans la montagne, j'ai aucune idée de comment le faire. Je suis censé, c'est quelqu'un qui m'a emprisonné. Salut Sens. La cocotte, la mimique, c'est peut-être ça, hein.
Il va me falloir le grappin quand même. Salaud. Terre meuble. Faut venir jusqu'ici avec la pelle. Pourquoi j'ai l'impression que mon oiseau s'est transformé en chauve-souris ou je sais pas quoi. Je pense que j'ai trouvé le 62. Non, c'est pas ça que je voulais. Salut Lynn, comment tu vas ce matin?
Là. Je crois bien que j'ai trouvé le... la fin 62 que je cherche depuis un bon moment. Moi pour l'instant ça va. Je suis quand même réveillé depuis un petit moment maintenant. Donc comme je disais, je crois que j'ai trouvé la fin 62. Parce que j'ai remarqué un truc. En fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tout est important. C'est-à-dire même la petite écriture avec le nom du texte en bas, elle est importante. Oh non, il y a un indice juste au-dessus. Je suis dégoûté. C'est-à-dire que... Non, je sais plus où c'était... Est-ce que c'était en dessous? Peut-être c'était en dessous. Il y a un endroit... Voilà, c'est ici. Là j'ai... Tout en bas, j'ai le nom Mon Marco, et si j'ai là, j'ai Terre Meuble. Ça veut dire que je peux utiliser l'appel. Je saute même pas assez haut pour l'avoir. Ahoy! Tu as retrouvé le trésor? Enfin, pas vraiment. Ce coffre contient les fonds de retraite de le Seigneur des Ténèbres. Faute de le battre en duel, tu lui ruines sa retraite. Après être parti sur le monde macro pour y trouver des trésors, cette andouille disparut et fut oubliée. Sauf par son cousin qui décida de partir le chercher. Hermaninov. Il m'en reste plus que 3 fins à trouver. Ouais, il m'a fallu quand même presque un quart d'heure pour en trouver une. Hein. Alors le problème, c'est que la prochaine fin, j'ai absolument aucune idée de comment la choper. Je pense que c'est ça, hein, vu comment le texte parlait sur le...
Alors là, je suis en mode, je cherche des... Faut venir mettre des objets ici. Les trous dans le mur, il y a le trou du bouclier, il y a le trou d'autre chose. Et il faut avoir fait 99 fins d'abord. Tu fais quoi comme langue? T'as fait quoi comme langue toi au lycée Lina? Le roi a faim aussi. À tous les coups. Ah mince, ça faut pas que je saute ici. Et avant, t'avais quoi comme langue, Lynn? Au collège, du coup, t'avais pris quoi comme langue? J'ai commencé par essayer de nourrir la mimique.
ça peut effectivement être un problème des fois. Des fois, la langue est pas forcément, peut ne pas être forcément compliquée pour nous, mais si on n'aime pas trop l'enseignant, ça peut nous empêcher d'apprendre correctement, vraiment. La porte, ça va être limite. Je pense que je vais pas avoir le temps. Non, j'ai touché là. C'est pas le seigneur que je veux nourrir. C'est la mimique que je veux nourrir avec le croissant. Je pense que je peux sauter aussi quand on arrive au bout. Pas de soucis, Lynn.
Cette mimique n'était pas méchante, juste affamée. Le croissant que Hermann Minoff avait ramené était tout ce dont elle avait besoin pour être apaisée. Oui, elle était calme maintenant. Il va se faire bouffer. Mais wow, comme ce héros a l'air appétissant. Tu ne mangerais pas un ami, pas vrai? Heureux. T'arrives juste au bon moment, Lynn. Pas vrai? Ah, je sais, allez. Point de suspension. Ah, on sait pas si elle le bouffe ou pas. C'est intéressant. Des héros sont arrivés jusque là. Je demande combien de gens ont fini le jeu. Combien de pourcentage de gens qui l'ont acheté ont fini. Alors, Emaninov était inquiet que son nouvel animal de compagnie n'ait faim à nouveau. Alors il quitta sa maison en recherche de croquettes. Beaucoup de croquettes. Attends, trop bien, la mimique, elle a une niche de chien. Ah, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Alors, je vais vite faire les trois premières fins. Je pense qu'en trois quarts d'heure, j'aurais fait les trois premières fins. Par contre, pour faire la dernière fin, je pense que ça va être plus long. Hermaninov est vraiment. C'est vraiment décarcassé pour amener sa nourriture au roi dans les temps. Cependant, le roi ne veut pas que son croissant soit trempé et a fait arrêter Hermaninov car il n'est pas digne des standards de qualité alimentaire du royaume. Oh le bâtard! Seulement 6% des héros ont eu 99 ans. A dû cuisiner pour l'armée entière pendant des années pour réparer Store. Aujourd'hui, il peut enfin quitter la cuisine et retourner s'aventurer. Je suis en chef cuistot. Génial. Bon.
Maintenant, faut qu'on découvre ce qu'il faut faire pour la dernière fin. J'ai plus d'indices, j'ai 99 fins, j'ai joué 6h et 50 minutes. Ce temple est gardé par les quatre orbes qui maintiennent l'équilibre naturel, la terre, l'eau, l'air et l'eau. Je me demande s'il faut pas amener des objets. En fait, j'ai l'impression que quel que soit. Si t'as un objet, ça l'amène là. Ainsi, Hermaninov rassembla les quatre orbes élémentaires et restaura l'équilibre dans le royaume. La fin. La fin. Alors, est-ce que je suis d'accord avec la fin ou pas? En vrai, moi perso, j'ai envie de mettre ouais, je suis complètement satisfait de cette fin. Pour alors, j'explique pourquoi. Parce que j'ai envie de tester en fait les différentes options. Et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire si je choisis l'autre. Mais inversement, si je choisis celle-ci, j'ai peur de devoir refaire les 99 fins avant de pouvoir retenter l'autre. Allez, action, Lina l'a dit. Il faut l'épée, il faut je sais pas quoi. Hermaninov est désormais super Hermaninov. Par contre, je suis super lourd. Hein. Ah, mais je nage même dans la lave. Ok. Je chevauche le dragon. Tout va bien. Après avoir échappé à l'éruption, Hermaninov remercia le dragon pour le voyage et se prépara à... Allez, Nin, à toi l'honneur. Je retourne au royaume triomphant ou je l'achève? Thank you.
J'ai tout niqué. Après avoir quitté l'endroit où il avait grandi, Hermaninov contempla l'horizon et savait qu'il devait aller à l'est dans les ténèbres, rassembler encore plus de pouvoir. Je te laisse faire les choix, hein, Lynn, jusqu'au bout. Ce n'est même pas ma forme finale. Je suis super invincible de toute façon. Tchon. Après avoir vaincu le super sbire, Hermaninov savait ce qui devait être fait. Et j'ai pas tout de choix. Et pris la pierre pour en absorber le pouvoir. Père Hermaninov est désormais le seigneur des ténèbres. Oh génial, encore un duel de testostérone, j'espère que tu n'y es au 80+. En vrai, je m'y attendais pas trop. Non! Ah putain!
sens que je vais rappuyer dessus, je vais faire encore un aller-retour. Euro nous rend visite, je dois réparer ce satané pont et nettoyer le bazar en quatre coins du fait. Quand Hermaninov approcha le piano, il eut soudain envie de s'asseoir et de jouer, de s'asseoir et de jouer bien, s'asseoir et de jouer incroyablement bien, s'asseoir et de jouer de façon légendaire. Ah, moi je veux une musique épique pour finir, hein. Je dois avouer, Lynn, mais c'est toi qui choisis, j'ai dit que tu choisissais jusqu'au bout. Ah, légendaire, ouais. Depuis ce jour, Hermaninov sera connu sous le nom de le Seigneur des Ténèbres. Avec le pouvoir des orbes et de la pierre des ténèbres, le monde s'agenouillera bientôt devant lui. Un nouveau sbire de ménage devrait être engagé pour nettoyer le bazar que Ondine est devenu. Poulet retourna à son nid. Pour continuer de fomenter ses plans de domination du monde. On va lui mettre les yeux rouges. Ouais. Les sbires volèrent le trésor du dragon et dépensèrent tout en croissant. Je l'ai pas tué le dragon, hein. Faites gaffe, les gars. Roger le rocher et le dragon tombent amoureux après ce blind date. Quelques années plus tard, ils seront les fiers parents des tonnes de petits dragons rochers. Ce jeu va rester what the fuck jusqu'au bout. Les devs furent jetés hors du paradis pour avoir fait des jeux vidéo sanglants et violents. Il ne restait pas grand-chose du royaume.
On dirait que le Seigneur des Ténèbres avait prévu son coup en avance. Mais les nouveaux héros continuent d'arriver pour défier le Seigneur des Ténèbres et restaurer la paix. Et c'était Reventure, l'histoire de comment un villageois ordinaire a enduré tout et n'importe quoi et a vécu tous les destins possibles et imaginables pour devenir le seigneur des ténèbres, maître de tout ce qui vit et un virtuose du piano. Moins de 6% des joueurs qui sont arrivés jusque-là. Ça, c'est intéressant. Pour être franc, je me rappelle plus où sont toutes les portes comme ça, mais il y en a une que je connais. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Tant pis. En vrai, on pourrait s'amuser aussi. Une légende, rejoins-nous sur Discord et prouve à un roi King que tu as tous les succès du jeu pour débloquer un rôle spécial. Le problème c'est que ces portes là, la ligne, il y en avait 3 ou 4 et il n'y en a qu'une seule que je connais, que je me rappelle. On a une ici. Ici, ici.
Oh, c'est chaud! Ah, c'est bon, j'y suis arrivé. Force, persistance, dextérité, un seul faux pas et ce sera la fin du voyage. Chaud comme endroit. Oh, il va falloir que je me retape le chemin. Oh, ça fait mal. Il te file une dernière épreuve, ça c'est cool. Il me semble qu'il y en avait d'autres, des portes comme ça. Ça se trouve, elles mènent tout au... Ah, ça m'étonnerait, elles mènent peut-être pas tout au même endroit quand même. On dirait que j'ai chopé le coup de main.
Oh. D'accord. Oh la vache. J'ai terminé le jeu à 107%. Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que en fait, il faut que je monte sur un des, il faut que je monte sur les buissons et pas que je les pète. Sauf s'il faut que je les pète tous. Non. Faut que je cherche sur internet où sont les portes. À moins que... Est-ce que la carte m'indique les portes maintenant? Non, elle m'indique pas les portes. Salut Aero, comment tu vas? Non, ah, je suis tombé.
Écoute, ça va bien. Tu vois, on a fini le jeu. Et en fait, en finissant le jeu, on a débloqué plusieurs petits défis. Et j'arrive même pas à faire le premier. Mais je suis à 107% de finition, comme tu peux le voir en bas à droite. Même si c'est fait, si c'est écrit faible. Ouais, merci pour le GG. La fin numéro 100 était vraiment très sympa, très drôle aussi. Je vais peut-être essayer de la refaire, en faisant des choix peut-être un peu différents. On va voir ce que ça donne. C'est de la pure plateforme. Mais maintenant que j'ai un peu, je maîtrise un peu le jeu, ça va. J'attends même pas que les trucs sortent. Allez. Voilà. Alors ça c'était déjà fait. En fait... Ah putain, je me suis raté. Eh ben on peut recommencer. Hyper compliqué et en plus moindre erreur, on recommence. Ah, je suis tombé. Non, je suis tombé. Ça c'est clair que bah, c'est du défi supplémentaire qu'ils ont rajouté pour ceux qui arrivent à trouver les sans fin. Je trouve ça très sympathique. Puis qu'il y a un peu de difficulté, ça me dérange pas. Je trouve dommage qu'on puisse pas recommencer directement à la porte par contre. Mais faudrait que je cherche, j'ai envie de... faudrait que je cherche où sont les autres portes. J'aime bien comment il agite les bras de haut en bas en mode je vole. Hein? Pourquoi il y a un indice là? Il y a une fin quand on atteint 125%. Bon, en fin de compte, on n'a pas fini le jeu.
Merci à toi, Lynn. T'es pas obligé. Je le ferai sinon. Je sais même pas comment on peut l'appeler. Porte. Porte. 125%. La première fois, j'ai galéré un peu. Maintenant, j'y arrive du premier coup à chaque fois. Ça, c'est cool. Par là-bas. Allez, je me foire pas cette fois, ça serait bien. Ah, 108%. S'il y a un panneau, c'est que je dois pouvoir l'atteindre. Toi. En fait, de l'autre côté du désert, là où il y avait le coffre, il y avait un truc plus haut, et je pense que c'est là qu'on va. La map s'appelle Ciel du désert, et non plus désert. Ça se trouve, on arrivait, il y avait qu'une seule porte. Hein. Il y en avait 4. 125, 150, 175 et 200%. C'est ça, on va arriver en haut là-bas. Ça me montait à 109%. À chaque tableau, ça m'augmente de 1%. Je suis dans le mur, je suis en train de descendre tout droit. Où je suis et je peux rien faire.
Non. Non, 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 non. Alors, je sais pas quoi faire. Il y a toujours un moyen de s'échapper pour ceux qui crient non. Non, me dis pas qu'il faut arriver à passer jusqu'à la porte sans appuyer aucun bouton. Je réfléchis, hein.
Je suis en train de me dire. Que s'il y avait un passage sans mur, il y en a peut-être d'autres. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je viens de trouver. Ah! Là! Hein? Pourquoi je peux pas y retourner? Ah, si. Ah, c'est bon. Avant les sans fin, il y avait le début. Ah, et le s'il y a un panneau, c'est qu'on peut l'atteindre. Proto-venture. Est-ce que j'arrive à la fin au bout d'un moment? Ah oui, peut-être. Il y a un jeu dans le jeu, faites attention! Moi qui étais en train de me dire, oh, le live va être trop court. Bah non.
C'est des panneaux sans texte. J'aurais dû sauter dans la lave. Pas faux. Pas faux, pas vrai. Le puits. Ah. Je peux même pas sauter d'une case. Là, le bug. Où est-ce que je me suis embarqué? La forteresse de Mal, ouais.
Dommage, y'a pas de texte. Même pas monter. Un sans stuff. La fin de la canne à pêche. Si j'ai l'épée, je peux pas passer par là. Bien. Ouais, mais c'est le prototype, quoi.
Moi, je remarque surtout que je suis bloqué. Ah, l'appel. Quatre fins de plus. Voilà, je sais pas si ça compte les fins que je fais ici. Si les fins d'ici comptent, je suis à 112% là. Mais il y avait que 10 fins, donc il m'en manque que 6. Donc ça me ferait finir à 118%.
Je me demande si on peut se faire exploser pour avoir une fin. Je suis bête, j'aurais dû essayer. Je crois qu'il m'en reste 3 à faire, mais j'en vois que 2 pour l'instant. C'est le moins de stuff possible. Il faudra quand même les bombes et le grappin. Donc. Mais du coup, là avec l'appel, il y a un truc à faire. Ouais, j'en ai eu une quand j'ai récupéré la princesse.
Du coup, il n'y a pas de fin en se faisant exploser. C'est triste. Non, mais t'es sérieux? Il est passé à travers la plateforme. Je m'escape avec la princesse, je m'escape avec la princesse. Je vous ai ramené la princesse, il vous faut quoi de plus? Moi, je peux rien faire. Ouais bah puisque personne ne veut la princesse, je la ramène hein. Alors je suis désolé pour les bruits mais je vais faire ça en sautant parce que... C'est plus rapide comme ça.
C'est ce que j'allais faire, Mine. Je vais voir si ça me donne une fin avec la princesse ou ça, si ça me donne une fin. Générique, on va dire. Si ça me donne une fin avec la princesse, faudrait que je retourne sur l'enclume sans la princesse. Ça me donne une fin sans la princesse. Il me reste deux fins à trouver. Je vais faire une run sans stuff. Qu'il y avait dans ce trou. Pas ça. Je m'attendais pas à ce qu'il décolle de la plateforme quand elle arrive. Thank you.
Non, je suis bloqué là. J'ai pas essayé de tuer la princesse. Essayons donc de tuer la princesse. Eh mais là c'est de la terre à creuser aussi. Ça non plus, je l'ai pas testé à Aero. Bon, celle-ci elle va pas jusqu'en bas, mais. J'étais dans la lave, ça m'a juste respawn sur le côté alors. Je vais essayer d'aller creuser la terre que j'ai vue tout au début, comme je l'appelle. J'aime bien parce que la fin qui me manque, c'est quand même la deuxième. Pas la genre la dixième, non, c'est pas genre la huitième, pardon, c'est la deuxième. Donc tuer la princesse, on a dit.
et se faire écraser par les plateformes. En vrai, les plateformes, je pense pas que ça marche. La princesse, je sais pas. J'ai dû attendre un petit peu plus, j'ai failli me tomber. Ça n'a pas été très très grave, mais bon. Il y a quoi ici déjà? C'est juste la canne à pêche, c'est ça? Ouais, c'est juste la canne à pêche. T'en es où? Je suis à... Enfin, aux dernières nouvelles, au russe, j'étais à 108% du jeu. Et depuis, j'ai découvert cette zone-là, là, que... où il y a plusieurs fins à trouver. Donc oui, j'ai trouvé les 100 fins, et... Là, il me manque une fin à trouver dans cette zone. Alors, oui et non, russe. En fait, bah en fait, pour les portes, il fallait finir le jeu. Pour les portes, il fallait finir le jeu, sauf que je me suis souvenu que d'une seule porte. Mais derrière cette porte-là, j'ai trouvé cette zone. Je sais pas où sont les autres portes, d'ailleurs. Mais je les regarde. J'ai trouvé un indice qui me disait il y a une fin numéro 101, mais pour avoir la fin, il faut atteindre les 125%. Donc ça se trouve, je finirai même pas le jeu aujourd'hui. Alors, cette map, comme tu dis, Horus, alors c'est un peu ça, hein. D'ailleurs, tu joues à Minecraft, toi, Horus? J'ai trop recruté sur Minecraft. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que non. Alors, c'est le... La map s'appelle Protocast. C'est-à-dire, en fait, c'est la map proto... C'est la map prototype du jeu. Il y a pas mal d'endroits qu'on reconnaît en vrai. Il y a le puits, il y a le volcan, l'entrée du château. Même si dégueulasse, on reconnaît l'entrée du château quand même.
tu reconnais la cage d'ascenseur. Je me fais absolument pas écraser par ces plateformes. Je pense que je pourrais y aller si j'avais pas l'épée. Alors on va essayer de tuer la princesse. Et si ça marche pas, j'essayerai sans l'épée de monter au-dessus. Il me manque une fin. Peut-être une idée aussi pour la dernière fin. Faudrait que je regarde ça. L'aspirateur à côté. Non, au secours, je vais exploser. Bienvenue dans Protoventure. L'aventure prototype. Je suis content, ce jeu était très bien. J'ai hâte de me défouler sur Wolfenstein cet après-midi, par contre. Enfin, je sais pas laquelle. Ce sera 14h ou après Lynn.
Et mince. C'est comme dans Reventure Line. Non, il n'y a pas d'indice ici. Mais la plupart des fins aux Russes sont des fins qui sont similaires à au jeu de base. T'as la fin où tu te fais écraser par l'enclume, la fin où t'emmènes la princesse derrière pour coucher avec elle. T'as une fin où tu tombes dans le vide, t'as une fin où t'as trop d'objets. Il y a une fin où tu trouves un trésor. Une fin où tu creuses le trou trop bas. Hop là. Aller par là. Et la princesse, elle peut pas être morte dans le château des ténèbres. Moi, je suis. Elle est avec moi. Et j'aime bien parce que c'est la deuxième fin que j'arrive pas à trouver. Non, je peux pas mourir dans la lave. Non, on peut pas ça. Oui. Alors apparemment, si, alors je suis allé voir la solution. Hein, je l'avoue. Si on sauve la princesse avec aucun item, ça devrait nous donner une fin différente. Apparemment, il y a une fin si on sauve la princesse avec trop d'items, ce que j'avais fait la première fois, avec un certain nombre d'items ou avec moins d'un certain nombre d'items. Il y a trois fins avec la princesse, apparemment.
Donc je vais y aller sans item, on verra bien. Parce que je sais plus quelle fin j'ai fait. Si j'ai fait celle-là avec un certain nombre d'items ou celle sans item. Enfin avec moins de temps d'items. On va voir. Pas comme si c'était très long à faire. Mince, j'ai raté mon sort. Synchro les plateformes pour qu'on les chope dès qu'on arrive. J'ai fait celle avec quelques items, maintenant je viens de faire celle sans aucun item. Et voilà! Suis à combien de pourcents là? Je suis à 117%. Il me manque encore 8%. Eh bien, moi qui pensais commencer un autre jeu demain matin, bah demain matin, ça sera objectif 125%. Parce que là, du coup, effectivement, au russe, j'ai chopé un indice, qui est la fin 101 à 125%. Voilà, et pour ceux qui... les choses. Je vous refais la 100e fin du jeu. Voici la porte des 99 voix. Caché, quel mec caché, Horus? Si tu parles du petit bonhomme qui était coincé dans la montagne, je l'ai pas chopé. Ouais, je suis complètement satisfait de cette fin. Ah non, c'est tout. D'accord. Ah, ça, c'est vraiment la fin de merde. Non, le mec perché, je sais pas absolument pas du tout comment l'atteindre. J'ai
Mais du coup, j'ai pas vraiment cherché en vrai. J'ai cherché un peu, mais j'ai fait tout le tour, j'ai pas trouvé de passage secret pour l'atteindre. Faut bien monter la porte jusqu'en haut, sinon on se fait écraser. Je veux de l'action! T'as quelqu'un en stream, Aero? Ou pas? Quelqu'un de sympathique. Sur un jeu sympathique. Avec pas beaucoup de sympathique, je veux. Moi. Capable de nager dans la lave et tout. Capable de monter sur un dragon. Voilà, j'ai achevé le dragon, trop bien. Comment ça va les gens? Le dragon ou pas, ça change rien, absolument rien. Notre sublime bus Fortnite. Et là, c'est ma maison. C'était ma maison. La porte qu'elle est fermée, on s'en tape.
Effectivement, c'était un combat extrêmement épique. Super, Hermaninov est désormais le seigneur des ténèbres. Merci. C'est exactement ça, oui, la boucle est bouclée. Ah, moi je suis désolé, hein. Je testerai jamais les autres, je veux de la musique légendaire. Elle pleure même pas la mordure, elle pleure sa robe. En fait, les mecs, messieurs les sbires, le plus simple, ça aurait été de voler directement les croissants. Je dis ça, je dis rien. Alors, la fin, je l'ai déjà faite, mais avec des choses différentes, Horus. J'avais tué la princesse,
J'avais tué le sbire qui nettoie le sang. Et j'avais pas tué le dragon. Et quand tu tues pas le dragon va à son rendez-vous avec le rocher et ils font plein de bébés dragon-pierre. Voilà. Du coup, la princesse pleure pas puisqu'elle est morte, je l'avais tranchée en deux. J'aurais peut-être dû laisser le roi et le garde en vie juste pour voir la différence. Là, je l'ai pas fait. C'était Reventure, l'histoire de comment un villageois ordinaire a enduré tout et n'importe quoi, et a vécu tous les destins possibles et imaginables pour devenir le seigneur des ténèbres, maître de tout ce qui vit et virtuose du piano. Par contre, allez, Justin, il s'appelle. Et lui, seigneur des ténèbres. Voilà. Voilà. Puis la fin 100, en fait, elle se modifie en fonction des choix qu'on fait durant la phase finale du jeu, ce qui est très cool. Donc, je suis à 117%. Il me manque 8%. Ça sera pour demain. De lui faire lire ses mangas. Bah non, tu peux pas lire ses mangas puisque tu les as piqués. Il les a plus. Et puis c'est dans une pièce cachée. Je suis même pas sûr qu'on y a, on n'y a pas accès. J'aime bien la maison avec la mimique dans la niche devant la porte, quoi. Je me pose la question, est-ce que ça change quelque chose si on prend le jeu, une partie du début, et qu'on fait toutes les fins dans l'ordre? Je me demande ce qui se passe. Mais je le ferai pas. Je le ferai pas. J'ai la flemme. Vraiment. Bon, comme proposé par Aero, je vous fais un petit raid chez Drake Kiss. J'avais le sage aussi, mais le sage a plus de monde, donc on va vous envoyer chez Drake Kiss. Il est sur Arc. J'ai pas abandonné Arc, hein, je sais que j'ai pas fini, mais je ne l'ai pas abandonné. Je le finirai plus tard. Hein, j'attends que coéquipier Lanou soit de retour. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par le joueur, qu'ils le possèdent sur Steam, il avait été gratuit à un moment et qu'ils veulent jouer, n'hésitez pas, le serveur est ouvert. Hein. Si vous voulez jouer, c'est possible. Il vous suffit de rejoindre Discord, point d'exclamation Discord dans le chat, et vous pourrez nous rejoindre avec plaisir en le demandant sur le Discord. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à Horus, Lynn, Aerostar d'avoir été là. J'ai raté personne, je crois. Non. Merci à ceux qui ont été là en lurk. Cet après-midi, normalement, ça sera Wolfenstein The New Order, histoire de se défouler un peu. Des bisous à tous et à la prochaine. Salut!